Quelques jours de charrette, de poussière et d'histoire auront suffi à faire de nous une famille. Emberlificotés dans les liens de l'amour qui naissait en nous, on riait, en conjurant la menace de se retrouver livrés aux éléments, d'être épuisés, de s'effondrer par terre, sans plus de force que pour rester là, collés au sol, à la merci des chimangos, d'être réduite à cette structure osseuse, minérale, pareille aux pierres, ce que nous sommes aussi. Occupés qu'on était à tramer nos liens, on a mis du temps à remarquer que ce presque rien qu'on traversait avait des allures de cimetière abandonné. On le sillonnait, réjoui, comme si on traversait le paradis. Encore que là, je me plante peut-être. Peut-être que le paradis ne se traverse pas. On doit y être, tout simplement. Où pourrait-on avoir envie de voyager depuis un tel port ?